rejoint. À quoi faut-il s'attendre, Nathalie Pierrard? Est-ce que vous avez des indications qui vous permettraient de dire qu'à une date précise, eh bien, il y aurait une reprise, je dirais, plus active de votre secteur? Alors, comme votre précédent interlocuteur vient de le dire, c'est très difficile à l'heure actuelle de savoir quand le secteur pourra reprendre. Il faut quand même préciser que le secteur de l'aviation est le secteur qui est le plus touché sur la durée. C'était le premier secteur concerné. Ça sera sans doute également le dernier secteur qui reprendra. Nous, on ne s'attend de toute façon pas à une reprise qui sera dans tous les cas progressive avant le mois de juin. Les vacances seront certainement difficiles et c'est clair que tout dépendra de l'ouverture des frontières, donc de ce que feront les autres pays. Dans un premier temps, ça pourrait être que européen, ensuite éventuellement l'intercontinental, mais qui arriverait bien plus tard. En tout cas, on s'attend, nous, à des répercussions de cette crise, non seulement sur 2020, mais aussi 2021. Ce qui voudrait dire que, en essayant de ne pas être trop alarmiste évidemment, qu'il faut se résoudre à ne pas pouvoir prendre l'avion pour des vacances, comme on en avait l'habitude l'année dernière, de ne pas pouvoir le faire cet été. Vous vous y préparez ça? Alors c'est encore vraiment beaucoup trop tôt pour le dire. C'est vrai que d'une compagnie aérienne à l'autre, ça pourrait être différent. Ça pourrait également donc être différent d'un pays à l'autre. Donc il reste beaucoup, beaucoup d'inconnus. De nombreuses compagnies aériennes attendent d'ailleurs. Certaines proposent déjà des échanges possibles pour des vols qui étaient prévus jusqu'au 31 août. Donc je pense que ce qu'il faut faire actuellement, c'est encore attendre ce qui pourrait être décidé dans les prochaines semaines, notamment début juin, mi-juin. Pour voir ce qui... Nous, on est optimiste, donc on espère qu'on aura certains vols qui pourront être opérés au mois de juillet et août, mais dans tous les cas, ce ne sera certainement pas, tous les vols qui pourront être opérés de manière tout à fait normale. On ne va pas appuyer du jour au lendemain sur un bouton off-on.